sommes venus retirer le matériel de renforcement de capacité de TDAH, dont ce véhicule qui va nous faciliter dans la mobilité sur les questions des conflits LTP, les conflits de toute nature, dans notre zone de projet que nous avons mené des activités sous le financement de l'Union européenne avec NRC. Et notre partenaire NRC, en fin de projet, a partagé les biens qui étaient acquis dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet avec l'Union européenne. Protection des personnes déplacées retournées dans leur zone. Maintenant, nous avons ce renforcement de capacités, dont un véhicule, un générateur, des laptops et une imprimante photocopieuse pour nous permettre de poursuivre le travail que nous avons déjà amorcé avec NRC et nous allons continuer à travailler dans cet élan. Oui, pourquoi seulement TDAH ? C'est-à-dire dans la mise en œuvre du projet protection des droits des personnes déplacées et retournées, NRC était seulement avec TDAH sur financement de l'Union européenne. Et il est tout à fait logique qu'en fin de projet, les biens acquis par ce financement soient dirigés vers les institutions étatiques ou les structures qui poursuivent le même objectif. Et de ce fait, TDAH est dans cette logique de la structure qui poursuit le même objectif. Et je pense que c'est tout à fait logique que nous puissions bénéficier de ce bien. D'autres partenaires qui étaient dans la LTP bénéficient d'autres intrants qui étaient dans d'autres projets financés par UNHCR, le PBF, par rapport à leur rayon d'action. Nous prenons l'engagement de protéger ce bien précieux qui constitue un renforcement de capacité assez particulier et nous allons le préserver, nous allons l'utiliser à bon escient. Et il vous souviendra que TDAH a eu beaucoup d'appui, donc vous voyez le bureau. C'est l'appui de la MONUSCO. Et ce bureau appartient à TDAH, il sert au service et à tout le monde. Le bureau est visible. Nous avons reçu des motos avec UNHCR dans le partenariat avec NRC. Nous avons encore acquis des motos dans le processus de mise en œuvre du projet de l'Union européenne avec NRC. Et nous avons tous ces acquis-là et ça nous permet, ça nous a renforcés en termes de mobilité et de présence opérationnelle sur le terrain. À ce stade, nous pensons que nous n'avons rien à envier d'une autre structure, sauf peut-être bien sûr des grands moyens pour se déployer, soit en dehors de la province ou ailleurs.